C'est une nouvelle ère à la WWE, c'est un nouveau show qui débute. Bonsoir à toutes et à tous à WWE Vixen Show 100% féminin, mesdames et messieurs. Et on accueille directement la toute première woman à mettre les pieds à WWE Vixen, Sonya Deville. Bien présente ce soir. Car ce soir, on rappelle qu'en main event, le titre des Divas fait son retour. Et oui, après des années d'absence, il fait son retour. Nous allons couronner une toute nouvelle Divas Champion lorsque Bianca Belair, The East of WWE, affronte Indi Hartwell, The ECW Reloaded. Mais ça, ce sera dans le main event. En tout cas, maintenant, on accueille Sonya Deville. Qui va-t-elle affronter ce soir? Eh bien, on va le savoir tout de suite. En tout cas, ça fait plaisir de voir Sonya Deville en action, mesdames et messieurs. Ça fait bien plaisir. Ancienne partenaire de Mandy Rose, d'ailleurs. Oh, on accueille The SmackDown Women's Champion, Bayley. Ah, ben ça fait plaisir de la voir. Sonya Deville contre Bayley. On rappelle que le titre de SmackDown n'est pas en jeu. Et selon certaines rumeurs, les titres de SmackDown, Raw, ECW seront possiblement défendus lors des épisodes de WWE Vixen. Ce qui peut changer totalement la donne et ce qui peut donner un intérêt encore plus énorme à ce show 100% féminin. C'est la première fois que ça se fait uniquement des women's à WWE Vixen. On rappelle que ce show a été annoncé par Stephanie McMahon lors de WrestleMania Stargate, qui a également annoncé Evolution numéro 2 en fin d'année, pay-per-view 100% féminin à la suite. Deux sont prêtes, c'est parti pour le tout premier match ici en direct, mesdames et messieurs de WWE Vixen. Bayley prise de tête sur Sonya Deville. Et Bayley qui refait une prise de tête. Ah, ça fait plaisir d'être là en tout cas pour ce tout premier épisode de WWE Vixen. N'hésitez pas à réagir en direct. Non, l'arbitre les sépare. Oh, le coup de poing en tête de Sonya Deville. Oh, le coup de coude sur la tête. Et le neckbreaker. Body slam. Attention, torsion du bras. Bayley qui passe derrière. Sonya Deville, le coup de coude sur la face. Le kick. Non. Et elle se fait projeter dans le coin, Bayley. Attention, c'est bien fait. Torsion du bras. Oh, la clé de bras de Sonya Deville. Eh oui, c'est une technicienne des rings. Oh yeah, c'est bien fait, c'est bien porté sur Bayley. On rappelle que Sonya Deville est du côté de Raw et que Bayley est forcément du côté de WCW Thunder. On rappelle que l'exclusivité de ce show 100% féminin, c'est que les trois rosters sont mélangés. Et attention à la prise de soumission, Sonya Deville qui réussit à se dégager. Ouf, c'est bien fait.
Elle est assise. Oh, le coup de pied dans le dos. C'est bien porté. Tentative de tomber. Et le coup de pied dans le dos encore une fois. Oh le kick. Elle enchaîne de coups de poing. Regardez ça, la violence de Sonia Deville. Elle est relevée. Voici Sonia Deville bat Bailey. Ce serait beau. Ce serait beau quand même. Sonia Deville qui bat une championne. Malheureusement, elle ne pourra pas l'affronter. Elles sont pas dans le même roster. Mais ça sera ça de fait. Non, 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 elle a bloqué. Oh, le coup de coude. On rappelle que ce show ne sera pas toutes les semaines, mais sera uniquement sur les semaines où Raw est bien présent, c'est-à-dire une semaine sur deux. Comme tous les autres épisodes du mode univers. Oh, c'est bien fait de la part de Bailey. Et un... Et le dégagement. Efface contre le coin. Bailey, la back suplex contre le coin. Et la tentative de tomber. Et 1 et 2. Oulala. C'est bien fait de la part de Bailey. Ah, oh, la descente du coude sur la tête. Et le Bailey to Bailey. Ça signe la fin peut-être un... 2 et 3 victoires de Bailey, mesdames et messieurs. Victoire de la championne féminine de SmackDown. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant, mais Sonia Deville a tenté quand même de bonnes choses. Peut-être une prochaine fois. En tout cas, il va falloir garder un œil sur Sonia Deville, qui peut être sur une belle lancée du côté de WWE Vixen. Qui, on le précise, aura 3 matchs hein, à chaque show. Pour éviter que le show soit trop long. C'est ça qu'on veut. Bailey est gagnante. C'est la toute première gagnante de ce nouveau show WWE Vixen. Ça fait plaisir. Bravo Bailey! C'est exceptionnel. Peut-être que la prochaine fois, le titre sera en jeu. Hey! Oh! La toute première entrée de la nouvelle championne d'Euro depuis WrestleMania Starcade. Elle fait son entrée. The new Raw Women's Champion, Rhea Ripley. Oh, ya. On enchaîne les championnes ce soir. La brutalité est bien présente. Et oui, elle a battu Becky Lynch à WrestleMania Starcade. Elle n'est pas apparue dans l'Euro post-WrestleMania Starcade, mais elle est bien présente ce soir pour la toute première de WWE Vixen. En tout cas, elles sont bien représentées, les championnes ce soir. Bon, allez. On va pronostiquer une victoire de Rhea Ripley, hein, parce que les championnes, faut qu'elles restent fortes quand même. Après leur victoire. Ah, c'est beau, hein, Rhea Ripley. Ancienne ECW Women's Champion, NXT Women's Champion, et maintenant Raw Women's Champion. Oh!
Et voici la moitié des championnes par équipe, ou devrais-je même dire, The WWE Women's Tag Team Champions, Sasha Banks et Charlotte Flair. Oh là là là. Et ça, c'est la grande classe. Championne contre championne, mesdames et messieurs, ce soir, juste avant le match pour le titre féminin des Divas. Eh oui. On rappelle que vous pourrez retrouver sur le site du mode univers le lien en description de chaque vidéo du mode univers. Sur ce site, vous pourrez retrouver le roster. Et oui, le roster a été mis à jour de cette nouvelle brand WWE Vixen. Vous pourrez également retrouver tous les épisodes classés dans l'ordre de sortie, évidemment. C'est bien Rhea Ripley qui va affronter Sasha Banks, accompagné de sa partenaire Charlotte. C'est parti pour ce match. Oh, assez violent. On dirait qu'elle a tapé sur un mur là, Sasha Banks. Elle aime bien taper sur des murs. Par contre, c'est pas le même gabarit entre les deux. Je pense que Rhea Ripley a légèrement plus de force et de brutalité que Sasha Banks. Ouf. Et le coup de pied encore de Rhea. On a quand même un beau programme ce soir, hein. On a des championnes, on a un match championne contre championne. On a un match de championnat en main event. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Hein. Un. Bon, Sacha a tenté au moins. C'est déjà pas mal. Attention, belle projection en arrière. Torsion du bras de la part de Rhea. Et c'est bien ça. Allez Sacha, on y va. Si elle réussit à battre Rhea Ripley, ce serait ouf. En tout cas, Charlotte peut aussi perturber peut-être Rhea Ripley pour aider Sacha Banks à gagner. Bon, c'est pas très légal, mais on n'est plus à ça près, vous me direz. Sacha qui projette Rhea dans le coin. Sur l'autre de ce coin. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, le coup de poing dans la... Mais non. Non, elle va pas faire une superplex. Et la superplex, la première de WWE Vixen. Elle est là. Et le Hurricane Run a bien porté. Elle s'en sort très bien, Madame Banks. Madame championne par équipe. Eh oui. Et Sacha va aller directement chercher là. Non. Oh, aïe, 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 là. Elle a monté en l'air, comme on dit. Alors que vous pouvez voir les commentateurs en plein milieu du public. Hein, on les avait pas remarqués, mais ils sont là. Plein milieu du public. C'est splendide. Oh, Sasha Banks qui s'est jeté les genoux en premier sur le visage de Rhea Ripley. Elle a relevé. Non, elle a repoussé là. RKO! Mais what? Elle nous a sorti un RKO sorti nulle part, Rhea Ripley. Complètement malade. Hein. Oh my god, ce kick.
Ah, c'est compliqué. Oh, un KO! Mais c'est le deuxième! Mais c'est pas possible! Et la puissance de The Raw Women's Champion. C'est parfaitement exécuté. Tentative de tomber. 1 et 2. Attention, Rhea Ripley. Oh, c'est bien fait le retournement. Le tomber, le tomber, le tomber. 1, 2. Sur Sasha Banks, est-ce qu'on va voir un back statement? Non, un neckbreaker. Tentative de tomber de la moitié des championnes. 1. Ouh, ça va être compliqué pour Sasha Banks si elle réussit à faire simplement 1. Mais la tâche va être compliquée. Attention, elle revient, elle revient! Oh my god! La ramène au sol. Attention, Sacha qui revient. Et c'est bien fait. Et elle fait tomber Rhea en arrière. Et c'est bien parce que Sacha, quand même, elle réussit à mettre Rhea Ripley en difficulté. Elle s'en sort même très très bien, Sacha Banks. Je pense qu'il va falloir se méfier de Sacha du côté solo. Bizarre que Sacha Banks n'ait pas encore eu un titre solo dans ce mode univers. Parce qu'elle s'en sort quand même très bien. Elle a failli face à Bailey. Et là... Oh my god! Oh là... Oh my... Oh là là. Après ce coup de genou et ce coup de pied. Oh là là, elle nous fait une Brock Lesnar. Elle est en train de l'achever, mesdames et messieurs. C'est terrible. C'est terrible, Rhea Ripley, elle a dit, bon, t'as assez joué maintenant, on va jouer par mes règles. Oh, oh, oh non, oh non. Oh my god. Oh, c'est foutu, là. 1, 2, et 3. Victoire de The Raw Women's Champion, The Brutality himself, Rhea Ripley. Oi, 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 oi. C'est terrible. Terrible. Ah, Sacha ne méritait pas une défaite aussi violente quand même. Une fin. Au moins une fin aussi violente. Parce qu'elle elle a plutôt bien géré en vrai Sacha Banks. Bravo. Franchement. Mais voilà, c'est Rhea Ripley. Hué complètement ici à WWE Vixen, victoire de la championne d'Euro, Rhea Ripley. Quelle est la prochaine challenger? Est-ce que Becky Lynch aura sa revanche? Ça va se savoir. The following contest is scheduled for one fall. It is for the WWE Divas Championship. Aïe 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 aïe. Pour le titre des Divas qui est de retour ce soir. Et voici la première challengeuse. The East of WWE.
Bianca Belair, qui est du côté de WCW Thunder ce soir. Enfin, pas ce soir, elle est dans le roster de Thunder. Est-ce qu'elle va remporter son premier titre dans le mode univers ce soir? En face, elle va affronter une jeunette de ECW Reloaded, Indy Hartwell, qui est du clan de Johnny Gargano, The Way, avec Candice LeRae et Austin Theory, que l'on n'a pas vu beaucoup, voire peut-être même une seule fois ou deux dans ce mode univers. Est-ce que l'expérience de Bianca Belair va parler ce soir? A mon avis, ça va pas être si facile que ça, ce match. En tout cas, ça fait plaisir de revoir le titre des Divas qui avait été évincé. Et elle est là, la challengeuse numéro 2. Elle représente ECW Reloaded, Indy Hartwell. Elle peut nous faire la surprise ce soir d'ailleurs. Elle peut nous faire une très très grande surprise. Ce serait bien. Ce serait bien qu'elle gagne également. Ça lui ferait un titre dans ce mode univers. Mais on va pas se mentir, je suis quand même un peu plus partant pour Bianca Belair, qui est là depuis plus longtemps, pas plus méritante, et qui s'est battue pour. Oh là là, le retour. Le retour de ce titre. Exclusif, on le rappelle, au show WWE Vixen. C'est parti pour ce match, ce main event. Allez, Indy Hartwell qui essaye de mettre à genoux. Elle met à terre Bianca Belair direct. Elle gagne le premier face à face de force. Attention, elle la traîne vers le centre du ring. Oh, le coup de pied dans le dos. Eh, ça claque. Hein. Torsion du bras. Elle réussit à mettre... non, Bianca qui réussit à se dégager avec des coups de poing. Projection dans le coin. Oh, le coup de pied in the face de l'impressive Indy Hartwell. Ouf. Oh, puissance de l'Atemi, les gars. Et Bianca, démonstration de force de l'ancienne Women's de NXT. Tentative de tomber et 1. Et non, même pas. C'est encore beaucoup trop tôt pour espérer gagner. Attention. Oh, le se jette. Oh, la souplesse ventrale. Bianca qui gère bien pour l'instant. Non, Indy qui se dégage avec un coup de coude. Et encore un coup de coude in the face. Et le pinfall. Oh, rien du tout. Attention, le facebuster. Que fait-elle? Que fait Bianca? Oh là, elle nous fait une bête phoenix. Oh bah oui, presque. Elle a repoussé Indy. Très belle tenue de Bianca Belair en tout cas. Oh, elle se fait enchaîner dans le coin là, et le public est avec elle. Regardez-moi ça, la puissance. Et Bianca qui tente un tombé. Un.
points. Allez, Bianca, on y va. Elle a un petit peu de mal quand même, mais elle s'en sort, on va dire, plutôt bien. Oh, coup de pied dans le dos encore. Et... oh! C'est bien fait, ça. Le tombé. Et 1 et 2 et 3. On est passé près d'avoir la toute nouvelle championne des Divas. On rappelle que ce match est pour le titre des Divas, pour ceux qui nous rejoignent en plein match. Si certains nous rejoignent en plein match. Oh, le dropkick. Irish Whip. Oh, allez, elle se jette sur Indy Hartwell, qui est en grande difficulté maintenant dans ce match. Et prise de choix. Oh. Derrière. Oh, tentative de tomber. Et 1 et 2. Non, il n'y a eu qu'un seul compte pour Indy, alors qu'il y en avait deux, limite 3 pour Bianca. Il manque pas grand chose à Bianca pour aller chercher ce titre, le premier titre dans le mode univers pour Bianca. Elle va le faire, elle va le faire. Oui, oui. C'est fait. Allez, le pinfall peut-être. Non. Bah non. Bah, pourquoi elle a pas tenté un tombé? Mais... et Indy Hartwell qui reprend la main. Mais Bianca enfin. Elle va gagner, elle va gagner. 1, 2, 1. Ça devient limite pour les deux. Ouh, j'ai peur. Ouh, j'ai peur. Clothesline. Clothesline encore. Oh, balancé à l'extérieur. Attention, le body slam. C'est bien fait, ça. Ouf. Le coup de pied de Bianca. Et Bianca, c'est bien fait encore une fois. Allez, il faut faire le tomber maintenant. Elle va le faire, elle va le faire. Est-ce que ça peut suffire? 1, 2 et 3. Et nul. WWE Divas Champion. C'est fait, Bianca Belair, nouvelle Divas Champion. Et Indy Hartwell est dégoûtée. Et c'est vrai qu'elle avait fait un très bon match, Indy Hartwell, quand même. Elle est vraiment pas passée loin. Et c'est Bianca qui s'impose ce soir et qui est la nouvelle championne des Divas. Bonne soirée à tous.